Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, des échauffourées ont éclaté hier mardi 13 août 2024 entre des forces municipales et des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo, quartier Anador, une commune populaire dans le nord d'Abidjan. Ces jeunes ferrailleurs manifestent ainsi leur refus de partir de cette ancienne casse d'Abobo Anador, délocalisée désormais à Abobo Ndotré. Et puis hors de nos frontières, au Burkina Faso, au moins 5 magistrats ont reçu un ordre de réquisition pour servir l'armée au front contre les groupes armés. Un ordre du capitaine Ibrahim Traoré. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. En société, comme annoncé lors d'une rencontre avec les ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador, l'autorité municipale a entamé hier mardi 13 août l'opération de fermeture définitive du 10 sites. Une opération de déguerpissement qui a tourné au vinaigre. La situation a été maîtrisée par la gendarmerie nationale. Et cette opération, il faut le souligner, s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration du cadre de vie des populations. Le témoignage de Georgette Ido Fofana à Abobo. Avant d'entamer l'opération de fermeture définitive de la casse d'Abobo Anador, les troupes de la police municipale se préparent à l'offensive depuis les locaux de la mairie. Autorités communales, police municipale et huissiers de justice sont les acteurs impliqués dans l'opération de déguerpissement. À peine les premiers magasins défoncés, les responsables du site signalent leur présence et tentent de négocier avec le chef des opérations. Nous ne pouvons pas nous mettre au-dessus de la loi. Nous disons à nos autorités d'aller doucement. Ce sont des opérateurs économiques et dans leurs activités, tous leurs marchandises, ce sont des millions. Et ce déménagement-là, si nous ne prenons pas acte pour que les choses se passent avec précaution, beaucoup vont perdre. Au bout de quelques minutes d'échange à chaud, les parties conviennent d'un ultimatum de 48 heures. D'autres efforts supplémentaires sont en cours pour permettre aux ferrailleurs de libérer le site. Occasion pour Diabaté Bé, chef des opérations, d'inviter les ferrailleurs à respecter leur engagement. Nous ne sommes pas venus sur un pied de guerre. Nous sommes venus pour communiquer avec eux, pour communier avec eux, pour leur dire qu'une décision a été prise par la mairie d'Abobo depuis 2022. Cette décision-là, elle est irrévocable. Et nous irons jusqu'au bout. Et tout à l'heure, nous avons procédé à vider quelques magasins. Et nous avons décidé d'envoyer tout ce que nous avons enlevé, de donner ça au service des IDE. Et ceux qui auront besoin de ce matériel, ils iront les chercher là-bas, en présence d'un commissaire de justice. Mais nous avons été aussi approchés tout de suite par les responsables de la casse. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Donc nous avons demandé à nos forces de se retirer le temps pour ce comité de se concerter et de commencer le déménagement sur le nouveau site. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures de négociation. Au même moment, les groupes de résistance à l'opération de déguerpissement défient la police municipale. L'atmosphère est surchauffée, c'est la débandade. Après le retrait des troupes de la police municipale des lieux, les forces de défense et de sécurité prennent le relais. La situation maîtrisée, les forces renforcent leur position pour rassurer les usagers de la route. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique des autorités à améliorer le cadre de vie des populations. Un arrêté municipal portant interdiction des activités des ferrailleurs et garagistes sur le périmètre du quartier Anador Banco, le long de la voie express et de toutes les voies à grande circulation et leur délocalisation sur le site de la nouvelle casse à Abobo Ndotré avait été établi en 2022. Et toujours en société, cela fait maintenant 3 ans que Mariam Kouyaté souffre du cancer du rectum. Essoufflée physiquement et financièrement, Mariam Kouyaté a besoin d'une intervention qui coûte 3 millions de francs CFA par mois pour sa guérison.
Cela fait 2 semaines que nos équipes de reportage l'avaient rencontré. Mais aujourd'hui, son état de santé va de mal en pis. Elle et sa famille demandent donc de l'aide aux personnes de bonne volonté. Georgette Ido-Fofana était en leur compagnie. Âme sensible, s'abstenir. Un peu la force. Un peu la force. C'est une malade totalement affaiblie que nous retrouvons ce jour. Le cancer du rectum dont souffre Mariam Kouyaté continue de la ronger à petit feu. Ce calvaire dure déjà 3 ans. Ses parties intimes sont totalement détruites par des plaies. Son état de santé va de mal en pis. Il ne peut plus marcher même. Il n'a plus à manger. Ça, c'est quoi ça? C'est l'eau seulement et bois. L'eau et yaourt. Fragilisée par la maladie, Mariam ne sait plus à quel signe se vouer. Les stocks d'antidouleurs qui la soulageaient sont tous épuisés. Et pire, les poches de stomie pour l'évacuation de ses selles et urines, elle n'en dispose même plus. Poche, ça. C'est fini, c'est de l'eau, ça m'a mis aujourd'hui. J'ai pas d'argent pour acheter. J'ai lancé un appel à les Ivoiriens. Nous avons beaucoup merdé. Je souffre. Âgée de 41 ans, Mariam Kouyaté, divorcée avec 5 enfants à sa charge, s'inquiète de l'avenir de ses tout petits. Je vais rentrer bientôt. C'est parce que cette année, je vais aller à l'école. Résidant à Yopougon prison civile, elle reçoit quotidiennement le soutien de sa voisine. Ça va aller, Dieu va faire. Garde courage. En tant que mère de famille, j'ai un gros pincement au cœur. La douleur est trop forte. Ils sont allés au CHU la dernière fois. Pour 3 poches de sang, ils ont eu 2. Elle est du groupe A positif. Elle a besoin de sang. Mais ils ont dit que ça manque. Le cri de détresse de la malade a été diffusé le 24 juillet dernier sur nos antennes. Depuis lors, les promesses sont restées vaines. Après le premier reportage, il y a des gens qui ont appelé, qui ont dit on va la prendre en charge. Mais finalement, rien. Tout est tombé dans le silence comme ça. Ils appellent pour les renseignements, mais rien ne se passe, rien ne se fait. Mariam Kouyaté continue de crier à l'aide. Elle espère en sa guérison pour son bonheur et celui de sa famille. Je crois en Dieu. Je sais que c'est lui seul qui peut me guérir. Inch'Allah, il va passer par les bonnes volontés pour me soigner. Nous croisons les doigts pour que Mariam Kouyaté recouvre la santé. Au chapitre éducation, l'ONG Human Impact Group a organisé une rencontre ce week-end au Palais de la Culture de Trècheville pour instruire les parents sur les attitudes à adopter pour faciliter la communication parents-enfants. Objectif, donner un coup de main aux parents pour une meilleure éducation de leur progéniture. Assitan Diarra, Adama Kone. Faciliter la communication entre parents et enfants pour une meilleure éducation, mais aussi soutenir des familles à faible revenu pour la scolarisation de leurs enfants est l'objectif de l'ONG Human Impact Group. Ce jour, elle organise un panel dénommé la rentrée solennelle des parents, un événement au cours duquel des experts en éducation, acteurs de l'enseignement scolaire et des parents échangent sur les méthodes à adopter pour permettre aux enfants et adolescents d'avoir des comportements citoyens et responsable. Toute société, toute famille a un trésor le plus précieux. Ce ne sont pas les biens qu'on accumule, ce sont nos enfants. Donc on a une obligation de les éduquer. Et cette éducation, si elle est bonne pour la famille, mais elle est aussi bonne pour la société. Ça fera d'eux des citoyens modèles, intégrés et qui participent au développement de la société. Ces genres de rencontres permettent de savoir qui on est, quels sont les manquements que nous avons dans notre façon de faire pour les améliorer, pour le bien de nos enfants. Être parent, c'est un métier, le métier le plus difficile au monde qui n'a pas d'école malheureusement. Donc la communication peut être ce pilier-là qui va permettre aux parents de comprendre son enfant, mais surtout de comprendre les mots qui l'entoure et mieux l'accompagner dans son éducation. Tous les enfants qui m'écoutent en ce moment, vous êtes des champions. Comprenez que votre cerveau est plus puissant que le dernier ordinateur que vous pourrez utiliser et parce que vous avez toutes ces capacités. Donc croyez juste en vous. L'éducation est un élément très important et sans éducation, nous ne sommes rien.
Voilà, l'éducation à tous les niveaux, que ce soit au travail, quand on n'est pas bien éduqué, on ne peut pas être un bon chef d'entreprise, on ne peut pas être un bon agent. Une action saluée et soutenue par l'artiste-chanteur ivoirien Abou Nidal. Quand nous parlons des parents, nous parlons aussi des enfants. Bientôt, c'est la rentrée scolaire, comme je l'ai dit. Nous allons accompagner pas mal de familles pour doter ces familles-là de kits scolaires pour que le maximum d'enfants puissent aller à l'école en tant qu'ambassadeur de l'éducation nationale. L'enfant n'a pas décidé de naître. Quand tu mets un enfant au monde, il faut lui permettre d'être scolarisé parce que l'éducation est la base. ONG Human Impact Group œuvre en faveur des orphelins, des enfants atteints de maladies graves et des familles vulnérables. À présent, retour sur la célébration du 7 août. La cession de notre pays à l'indépendance est toujours d'actualité. Nous vous invitons à revivre cet instant à Kwa, à l'ouest, et à Tchoboué, au sud de la Côte d'Ivoire. Dans ce reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans, commenté par Georgette Ido Fofana. Dans la sous-préfecture de Koua, dans la région du Guémont, à l'ouest du pays, les populations ont célébré avec faste le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire souveraine. L'événement a été marqué par le salut aux couleurs, défilé de toutes les couches sociales, avec pour point saillant le message du représentant du président de la République dans la localité. C'est aussi une occasion de faire abstraction de tout ce qui nous divise et de nouer des relations de paix et d'amitié entre nous et avec tous ceux venus d'ailleurs pour construire avec nous notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans la région du Sud Comoé, non loin du Ghana voisin, dans la sous-préfecture d'Etuébué, c'était la même ambiance, avec en toile de fond la promotion de la culture du terroir. L'autorité préfectorale s'est appesantie sur le sens de cette célébration. Ce que nous devons apporter le plus à ce monde déchiré et inquiet, c'est notre amour sincère de la paix et de la justice. À Koua, dans l'ouest montagneux, tout comme à Etuébué, au sud du pays, la célébration de l'indépendance a été jumelée avec la promotion du mérite et de l'excellence par des honneurs aux lauréats. À la page sport, sachez que la deuxième journée des éliminatoires zone UEFA-B de la Women's Champions League a débuté ce mardi 13 août au stade Agnès Dubouaké. La première confrontation dans la poule A a vu Ainovi Football Club du Bénin s'imposer sur un score de 2-1 face à l'AS Kosa du Togo. Le compte rendu de Véronique Conan de RTI Sport à Bouaké. Le rêve de gagner son premier match, match inaugural des éliminatoires de la Women's Champions League, zone UEFA-B 2024, dans la poule A, et espérer se qualifier pour le second tour, semble se réaliser pour l'Inter d'Abidjan en bleu dès le premier quart d'heure de jeu. Mais Ainovi Football Club de Bénin domine littéralement le jeu et égalise à la 29e minute de Farida Touligali. À égalité, les deux clubs se tiennent jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, l'Inter Football Club met la pression et obtient plusieurs corners, mais manque de concrétiser. À la 60e minute, Yasmina Gibril de Ainovi atteint les filets ivoiriens sur un coup franc. 2-1, score final. Plusieurs aspects n'ont pas marché dans ce match. A commencé déjà par l'acte défensif où il y avait beaucoup plus d'hésitation. Et si vous avez remarqué, après avoir constaté ce fait, on a essayé de faire des remplacements à ce niveau pour mieux stabiliser notre axe défensif. Par ailleurs, dans l'entrejeu, on arrivait à récupérer les ballons, mais malheureusement, on n'arrivait pas à jouer, on les redonnait directement à l'adversaire. Et défensivement, on n'arrivait pas à recomposer notre bloc équipe au point où l'adversaire arrivait à se retrouver facilement dans l'entrejeu. Les Ivoiriens de l'Inter devront battre l'association sportive de Kosa Football Club du Togo au prochain match pour espérer se qualifier au second tour. Nous vous le disions en titre, beaucoup accusent le régime d'Ibrahim Traoré de punir certaines figures en les envoyant au front. Après des acteurs de la société civile, des politiques et des journalistes, c'est désormais au corps judiciaire. Au moins 5 magistrats ont reçu un ordre de réquisition pour servir l'armée au front contre les groupes armés. Parmi ceux-ci, Abdoul Gafarou Nakro, substitut du procureur Abobo Dioulasso. Et puis nous terminons ce temps d'information au Soudan où des négociations sur le cessez-le-feu
dont le pays s'ouvre ce mercredi 14 août à Genève. Lundi, les États-Unis d'Amérique ont indiqué depuis la Suisse vouloir lancer les discussions, même en l'absence des représentants du gouvernement soudanais. Le gouvernement soudanais allié à l'armée a émis de sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.